attaquer. Je fais plus gaffe. C'est Richard Cœur de Lion. Il attaque. C'est le pire de votre. Ces unités à distance, c'est tellement chiant. Non, je sais maintenant pourquoi en fait je déteste entendre quand les Britanniques attaquent. Ils sont trop à distance. C'est insupportable. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. C'est insupportable d'entendre ça. Oh putain. Putain, ils ont mon silence et station. Je suis en train de craquer. Je tiens plus. Pourquoi cette porte est fermée? Voilà, je perds ma tour. Je suis en train de perdre mes moyens. Putain, pas cette tour là. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Sans déconner. Je peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon ben, on va préparer à perdre des murailles. Hein. On a plus le choix. Hein. Navire de guerre génois en vue. Moi je tiens plus, je craque. De la tour maudite. Là par contre ça va craquer vraiment de partout. C'est moi qui vous le dis. On a perdu notre mère. Pourquoi vous sortez? Les Templiers s'apprêtent à attaquer. C'est Richard Cœur de Lion. Il attaque. Maintenant, il faut tenir dans la vie. J'aurais peut-être dû faire un moine, je pense que je vais avec mes troupes, je sais pas. J'ai l'impression que ce soit la solution. Attends, je donne trop. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Thank you.
train de me pulvériser ma base. Et vous voyez, vous voyez le temps qui reste, vous voyez le problème, il reste beaucoup trop de temps. Navire de guerre, j'ai noir en vue. Quoi, une 2Z flotte de navires de guerre. Les chevaliers teutoniques sont vraiment ils ont été plus durs à affronter. J'aurais peut-être faire des archers de cavalerie, mais. Prendre un côté, plus perdre de temps à essayer de me détruire, mieux c'est. Je pars de la flotte viennoise. Ça m'arrange. Personnellement, ça m'arrange qu'ils perdent du temps et qu'on va dire un peu rien. Unités qui peuvent pas se replier. De Lyon. Il attaque. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Vous vous rendez compte quand même? Des Français et des Anglais qui se mettent en commun. À cette époque. Hey bug. Oh il a bugué. Pas à moitié. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il continue à bugger. Comme ça au moins je peux soigner mes troupes en attendant. Je sais vraiment pas si on peut dégommer un ennemi. Je pense que c'est possible. Mais ça demande tellement de mettre d'unités dessus. Que je pense pas que ce soit efficient. Par contre, tu vas te sonner. Bon, bah, les Anglais qui arrivent. Nous qui essayons de défendre autant qu'on peut. Bon, on a déjà fait la moitié. On a déjà fait les trois quarts, on va dire. Attendre qu'on soit à merveille, plus après. On a défendu déjà à moitié. Fais attention aux dégâts de zone. Enfin, faites bien des archers de cavalerie. Voilà, on est content. Tout le monde a fait son boulot. Maintenant, vous rentrez tous. Thank you.
D'accord, maintenant il y a deux cases, il y a deux trous un peu. Vous voyez, c'est 13 d'armure. C'est 13 d'armure. Je viens de vous prendre en tête une des meilleures unités pour faire chier. Littéralement, il se met du terme, mais. Cette unité est la plaie. Non. Les Templiers s'apprêtent à attaquer. On va faire. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Des troupes qui sont quasiment entièrement soignées là. Ça, on va prendre tour et troupes qui est plus soignées. Hein. Bon tour avant manquer. C'est Richard, cœur de lion. Il attaque. Évidemment, je sais que je peux pas me permettre. Si vraiment j'ai besoin de sortir toutes mes troupes, je vais les retirer. Mais si je peux me permettre. Il reste une bonne partie en train de se soigner, c'est marrant. Hein. On va en garder une partie intérieure, on va envoyer une partie extérieure. Ah ah. Ça par contre c'est un problème. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Ça c'est un problème. Je pense que vous avez vu le problème. Bon. Navire de guerre génois en vue. Bon bah. Je pense un peu à tous vos problèmes. Hein. On va commencer à manquer de ressources. Non, faut que j'achète, faut que j'achète. Bon, ça va. Je tiens à ville toujours. Je vais vendre le reste de ma pierre. Le reste de mon bois et on va tenir avec ce qu'on a encore en troupe. Tant que j'ai des châteaux, il y a de l'espoir. Alors on a fait une bonne partie. Ah, l'ennemi s'engouffre tous dans la même brèche, je suis d'accord. Quand vous regardez la vidéo, vous me dites t'as eu du bug, je suis tout à fait d'accord. Que les dégâts auraient pu être pires quand ils sont rentrés. Mais j'ai reçu un meurtrier au bon endroit. Normalement, en fait, si vous débrouillez bien, en fait, votre ville reste intacte. Quoi. Mais à un moment, c'est plus possible. On peut pas dire que j'ai pas tout donné pour la protéger cette ville. En fait, tout va dépendre un peu si vous avez de la chance ou pas. Vous allez me dire, c'est cruel, mais si l'ennemi attaque par roulement, en gros, il y en a un qui vous attaque, puis après un autre. Mais il n'y a que leurs troupes qui arrivent en même temps. Là, le problème, c'est que j'ai des troupes de plusieurs assauts qui arrivent en même temps. Mais qu'au contraire, vous avez des troupes que d'un ennemi qui arrive à chaque fois en même temps sur vous. Ben, c'est simple. Pour vous défendre, c'est ultra simple. C'est Richard, cœur de lion. Il attaque. À l'inverse, vous avez. X troupes qui arrivent en même temps. T'avais X troupes qui vous attaquent en même temps. De X. Enfin. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Par contre, là, j'ai plus le droit de faire des troupes.
C'est cruel, mais si je perds trop de temps. Étonné que j'ai plus d'économie. J'ai récupéré tout l'or qu'il avait récupéré. Je peux plus remplacer mes troupes. Donc, faut faire avec le minimum syndical, on va dire. C'est-à-dire, vous faites avec les troupes qu'on vous fournit et vous vous débrouillez avec. Et bah, mes mamous sont à fond niveau recherche. Donc, personnellement, je n'ai pas trop peur. Ça pourrait être bien pire. Donc Jeanne continue à m'attaquer un peu partout. Parce qu'il va... Jeanne va être dérangeant parce qu'il va vous empêcher de récolter les ressources de poissons. Mais il ne va en soi pas vous occasionner beaucoup de dégâts. Excepté à premier assaut. À savoir que le premier assaut de chacun de vos ennemis est peut-être le plus violent. Jeanne arrive avec des galions à canon, donc vous faites beaucoup de dégâts. En fait j'ai pas vu le temps, mais c'est bon, je suis large. Ouais, mais c'était facile en fait cette mission. Bon, voilà. Sincèrement, faites attention et construisez vite, vite, vite plein de mammouths parce que sinon vous vous en sortez pas. Même si. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Ouais, on va sortir toutes nos troupes. Même si je pense que mamelouk plus archer de cavalerie serait une bonne compo. Beaucoup de mamelouk et quelques archers. 10-15 archers de cavalerie. Bah, si vous pouvez monter à 20, montez à 20. Les archers de cavalerie, ça serait pour vous occuper de ces chevaliers teutoniques qui sont, on va pas se mentir, peut-être la pire plaie qu'on a contre notre compo d'armée. Parce que je fais qu'un dégât, donc il faut 100 coups pour pouvoir les tuer, ce qui est énorme. Alors si on regarde ça, Tactic Park déjà, plus 4 d'attaque. Plus 4 d'attaque, donc ça fait 7. 7 plus 4. 11. Je pourrais, si j'ai bien calculé, c'est 11 d'attaque qu'ils peuvent avoir. Ce qui est génial, vos attaques, moi je vous dis tout de suite, faites-le. Hein. Vos mamelouks pour vous occuper de la cavalerie adverse et des tout ce qui est armes de siège. Et vos archers de cavalerie pour abattre tout ce qui est chevalier teutonique. Plus le reste. 45 minutes. Voilà, je vais vous mettre une seule vidéo à cet épisode. Non, je vais la couper en deux, ça sera plus agréable pour vous. Donc, à rigueur, vous pouvez peut-être éliminer Jérusalem. Vous voyez, vous faites quelques... Au pire, faites... Si vous... Voilà, mon avant-poste est ici, si vous voulez. Il y a de l'or là, mais moi, je vois pas comment on peut récupérer l'or à cause de Gênes. Commercer un peu là, mais je trouve pas que ce soit rentable. Je pense qu'il est possible de rayer Jérusalem. Il suffit juste de faire un ou deux trébuchons au début. Attendez, quoique... juste regarder quelque chose. Onagre. Portée 8. Donc, au pire, vous prenez vos onagres, vous débarquez ici. Vous prenez quelques troupes supplémentaires, vous attaquez avec vos onagres le forum, vous le détruisez avec le forum. Essayez de tuer tous les villageois, une fois peut-être tous tués, vous pouvez peut-être faire en sorte que Jérusalem arrête, ce qui fait un ennemi en moins. Et bon, vous avez vu que le pire ennemi, c'est la première assaut de Richard avec ses deux unités qui peuvent facilement, ses deux unités trébuchets spéciaux qui peuvent facilement vous détruire. Et retrouve pas distance. Les Français, c'est, je trouve, les plus faciles à gérer. Avec Génois aussi, ça c'est sympa à gérer. Les Templiers sont ultra menaçants si vous n'avez pas d'archer de cavalerie. C'était mon cas. Et Jérusalem, du fait qu'ils ont énormément d'armes de siège, ici ils arrivent les 4 d'un coup. Ah, mais non! Ma première année de liberté. Le combat est fini. Le feu a mis fin au désir de conquête de Richard. Les deux adversaires respectés ont fini par parler de paix. La guerre n'épargne pas les santé des hommes. Richard est tombé malade avec de la fièvre. Comme il a respecté son ennemi, Saladin a envoyé à Richard des fruits et de la neige pour le réconforter. Peu de temps après, Richard a pris un bateau à destination de l'Angleterre. La troisième croisade était terminée.
Le traité définitif a été signé le 2 septembre 1192. Il stipule que Jérusalem reste entre les mains des Saracens, mais que tous les pèlerins chrétiens seront autorisés à visiter tous les sites sacrés, librement et en toute sécurité. Cet accord semble juste pour une guerre menée pour la religion et pour la terre. La guerre est terminée, mais je pense que je ne reverrai jamais la Normandie. J'ai envie de voir les aciéries de Damas et les jardins du calife à Bagdad. Je n'ai jamais vu le puissant krach de chevaliers et la forteresse désormais tombée des Templiers. La Terre Sainte recèle de nombreux sites merveilleux et je peux y passer ma vie. La paix règne en Terre Sainte, pour le moment. Malheureusement, sur une si petite terre où cohabitent de nombreuses cultures différentes, lieu de naissance des trois plus grandes religions du monde, je crains qu'un jour, le sable ne soit à nouveau taché de sang. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons cet épisode. Je vous ferai deux vidéos parce que ce sera plus facile pour vous. Donc, militaire, tu vois, ennemi tué. Bah, les gars. On passe par à côté. Donc, si vous envoyez par contre, les éléphants de guerre, gardez-les pour vous, vu comment je les ai envoyés, c'était pourri. Donc, ressources, je peux pas être premier, mais faites avec le maximum, avec le peu que vous avez, sincèrement. Ça, on s'en fiche, nombre de développement, on s'en fiche. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Recherche pour améliorer à fond vos unités de cavalerie et des attaques à distance. Donc, chimie, brassard, au fourneau. Armure en de plaque, voilà sa dernière recherche pour armure, fanatisme et mamouk d'élite. Une fois ça fait, tout ira bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé avec moi la fin de cette campagne de Saladin. Je vous dis à une prochaine fois de sa partie, vous vivez bien. Et à ciao tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.